Bienvenue dans ce nouveau module de catéchèse. Nous allons découvrir ensemble le chemin de la confiance, comme un chemin de relation. Vous qui êtes engagé comme catéchiste et qui découvrez d'une certaine façon à être éducateur, vous savez que la confiance est le maître mot pour entrer en relation d'amitié avec chacun et en particulier avec les enfants et les jeunes. Dans les églises, nous avons souvent l'occasion de nous émerveiller de cette jeunesse qui fait confiance aux adultes qui les accompagnent sur le chemin de la foi et de la vie. Quelle belle espérance pour notre monde et notre Église d'aujourd'hui. À l'image du bon berger, vous vous retrouverez comme des bergers pour conduire les enfants qui vous sont confiés. Ce chemin se fait dans la confiance réciproque qui caractérise notre vie en Église. Ainsi, Jésus se qualifie lui-même de bon berger. Il nous montre le chemin du Père que nous aimons à prier avec cette prière universelle qu'est le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite. Mais c'est vrai, faire découvrir la confiance est parfois difficile face à tous nos manques de confiance dans nos vies humaines et spirituelles. Prenons le temps de la prière et de la réflexion en méditant un évangile, celui de Saint Jean, qui nous fera voir combien Jésus le bon berger prend soin de chacun de nous pour nous conduire vers le Père. Il ira jusqu'à donner sa vie pour nous sur la croix. C'est tout le chemin de la Semaine Sainte, un chemin de confiance et d'abandon. Confiance et foi ont la même racine, fides. Ainsi, nous pouvons dire que faire confiance, c'est avoir la foi en quelqu'un et avoir la foi, c'est faire confiance en quelqu'un. Osons travailler la confiance comme un acte de foi, comme un abandon qui est le délicieux fruit de l'amour, chante Sainte Thérèse de Lisieux. Osons une relation de foi avec Jésus qui se propose de nous conduire, de nous guider pour que nous découvrions notre chemin de liberté et de vie. Et je vous souhaite de faire l'expérience que notre foi est une vie de relation avec Dieu, avec nos frères et sœurs, au cœur de l'Église catholique que nous formons tous ensemble. L'Église, le chemin pour découvrir le Père et vivre à la suite du Christ, laissant ainsi se déployer en nous la puissance de l'Esprit-Saint de notre baptême, dont les fruits sont la confiance et la force pour chacun de nous. Soyez bénis.